pour empêcher ces plans sociaux et sera plutôt dans un accompagnement des personnels. En réalité, il y a deux dimensions dans l'intervention de l'État. Il y a effectivement une intervention au moment où les décisions sont prises, au moment où les décisions sont annoncées, au moment où la direction de Michelin, par exemple, annonce la fermeture des sites de Vannes et de Cholet. Le rôle de l'État ici, c'est effectivement d'être extrêmement exigeant sur l'accompagnement social des salariés, faire en sorte que les indemnités de séparation soient dignes, soient importantes, faire en sorte également que le reclassement des salariés se fasse dans les meilleures conditions, faire également très attention à la revitalisation des sites. Parce que quand des emplois disparaissent sur un territoire, ce sont des savoir-faire qui disparaissent, ce sont des compétences qui disparaissent, ce sont des familles qui sont aussi dans l'anxiété. Et donc là, ici, l'enjeu, c'est de trouver des repreneurs. Et dans les prochaines heures, puisque c'est cette semaine que nous allons nous mettre à pied d'œuvre sur ce sujet, eh bien, la direction de Michelin va, sous l'égide des préfets de départements concernés, mettre tout le monde autour de la table avec les chambres de commerce et d'industrie, avec les élus, pour essayer de trouver des repreneurs pour les sites. Ça, c'est un élément très important. Et le deuxième élément, quand même, je vais vous le dire, c'est qu'il faut faire en sorte que, à côté des emplois que l'on cherche à défendre, eh bien, des emplois se créent sur notre territoire. Et donc, il y a une stratégie offensive qui doit être notre stratégie industrielle. Cette stratégie, elle consiste, eh bien, à créer un cadre attractif pour les investisseurs. La France est depuis 5 ans le pays européen le plus attractif pour les investissements étrangers. Je pense qu'il faut que nous continuions dans cette logique. Le baromètre du ministère de l'Économie et des Finances vient d'annoncer hier que au premier semestre 2024, des sites ont ouvert en plus grand nombre que des sites ont fermé. Et ça, c'est aussi un élément qui montre que la réindustrialisation se poursuit. Donc il ne faut pas perdre cette autre approche qui est l'approche offensive. On parlera de l'avenir industriel de la France, mais avant, j'ai une question sur ces groupes. Si on prend les chiffres de Michelin, Michelin, c'est 3,6 milliards d'euros de bénéfices en 2023, la moitié versée en dividendes aux actionnaires. Pourquoi le gouvernement refuse de demander à ces groupes eh bien, le remboursement des aides publiques qui leur ont été versées? Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'abus? Alors, il y a d'abord un enjeu qui est de regarder effectivement de manière très précise le montant global des aides qui ont été touchés par les groupes en question. Et le Premier ministre Michel Barnier, hier à l'Assemblée, j'étais présent, a annoncé effectivement eh bien, que nous allions nous pencher sur ce montant global. Ensuite, comment expliquer cela? Moi, je ne me substitue pas à Michelin dans ses décisions industrielles. On est face à une filière automobile qui a des difficultés structurelles. Qu'on le veuille ou non, la demande de véhicules a ralenti, en particulier les véhicules électriques. Nous avons deux défis majeurs à résoudre. C'est le défi de la compétition internationale de la Chine en particulier, mais aussi des États-Unis, une compétition qui ne s'exerce pas toujours suivant des règles équitables, parce que les productions chinoises, en particulier les productions de véhicules électriques, sont très subventionnées. Et on a besoin de répondre à ce défi. Et le deuxième défi, c'est celui de la transition vers un modèle qui est celui de l'électrique. Vous savez qu'en 2035, il n'y aura plus de moteurs thermiques qui seront produits et vendus en France. Et face à cela, les constructeurs doivent s'adapter. Et ça a évidemment des effets sur toute la chaîne des équipementiers dont Michelin fait partie. Dans ce contexte, est-ce que vous craignez qu'il y ait d'autres plans sociaux annoncés cette année? Oui, c'est une possibilité et nous sommes extrêmement mobilisés d'abord pour anticiper et pour faire en sorte qu'on puisse éviter ces plans sociaux quand il est encore possible de le faire. Nous discutons avec les services du ministère de l'Économie et des Finances, avec la direction interministérielle à la restructuration d'entreprises pour saisir les signaux faibles qui laisse présager parfois des plans sociaux. Donc quand on peut éviter les fermetures de sites et les destructions d'emplois, on le fait, on met tous nos moyens pour cela. Et quand ils interviennent, il faut évidemment trouver des repreneurs pour les sites, il faut faire en sorte que l'emploi revienne, et c'est d'ailleurs ce que Michelin et sa direction ont annoncé. L'objectif, c'est que plus d'emplois soient recréés sur les sites de Cholet et de Vannes, qu'il n'en sera supprimé. Donc c'est ça nos objectifs, mais effectivement, compte tenu des difficultés structurelles de la filière automobile, eh bien on peut s'attendre malheureusement à d'autres annonces, notamment chez les équipementiers. Merci beaucoup, Max Ferracci, pour vos réponses.